Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Je suis toujours sur mes citrouilles. Ouais. Ouais, je me trouve bien là sur des citrouilles. Et bah du coup, j'y suis restée. Et nous allons continuer la décoration de la petite maison qui est là-bas. Hop là. Que d'habitude, je fais tout sans vous, mais là, j'ai eu envie de fabriquer et décorer une maison avec vous. Donc vous voyez que je me casse pas trop la nénette pour faire le plafond. Je pourrais mettre des nid-d'al, mais comme on est en paisible, il n'y aura pas d'araignée. Oui, parce que si vous faites une maison en mode survie, pensez à faire le plafond en demi-dalles. Ça empêche les araignées de popper. C'est pas mal quand même quand on sort de sa maison, qu'on se prend pas des araignées sur la tronche. Je l'ai déjà testé vis ma vie avec les araignées au plafond. Voilà. Hop. Bon. Alors là, pour monter à l'étage, est-ce qu'on se casse la nénette à faire des escaliers ou pas? Moi, je pense que ça serait pas mal quand même. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Escalier. Voilà. Bon, ben, on va faire en grès comme d'habitude pour pas changer. Hop. Alors, par contre, faudrait qu'on arrive. On s'en fout un peu par où on arrive. On va faire partir les escaliers d'ici. On fait un tout petit escalier, hein, vraiment. Bah, tiens, comme ça sera déjà posé. Ah, la torche qui gêne. Ah ouais. Hop. Voilà. Et là, ici, on en remet une fois. Un escalier. Répète ce nouveau mot. Un escalier. Donc voilà, ça fait un peu petit en fait. Mais le but du jeu, c'est pas de faire des châteaux de Versailles, quoi. Voilà, donc du coup, et puis pour permettre plus facilement de passer là, on va faire dalle en bois. Je veux pas une dalle en bois, je veux une dalle en grès. Bon, on va faire ça parce que là, ça va pas. Dalle en grès. Dalle, dalle, dalle. Que dalle. Ah si. Ouais, c'était facile comme blague, je sais, je sais. J'ai un peu honte. Et voilà. Comme ça, hop. Et peut-être même que l'escalier là, on va pouvoir le mettre en arrondi, mais je suis pas sûre. Non, parce que déjà, il se met en bas. Comment faudrait que je fasse pour qu'il se mette en arrondi? Attendez, je réfléchis. Toc. Non mais ne m'obéis pas le. Non mais c'est tout, il veut pas. Ce sera un peu scabreux, mais dans la vraie vie, on le ferait aussi peut-être. Je sais pas. Je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Hop, on va mettre les vitres. C'est aussi pour ça que je fais une hauteur de 4 pour les vitres. Parce que hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. T'en as pas à mettre entre. Parce que c'est un petit peu casse-pied à mettre entre les vitres. Allez. Bon. Violette est calme derrière. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Peut-être réussir à tourner un petit peu. Alors, je fais vraiment des vidéos quand j'ai l'occasion, quand j'ai le temps. Je sais, ça fait un petit peu genre ouais, jamais contente. C'est pas ça, c'est que je vous explique pourquoi c'est des vidéos courtes que je fais. Parce que j'ai pas 4 heures devant moi pour tourner des épisodes. Et voilà quoi. J'aime pas trop faire des wawa.
Voilà, mais bon, bah, une fois de temps en temps, il faut bien quand même, parce que faut que je vous explique pourquoi je fais des épisodes courts. Ma nouvelle aventure en survie, par exemple, c'est assez court, les épisodes, hein. Quoique, sans... Eh, au fait, je vous ai pas dit, mais moi, j'utilise pas de timer, chronomètre, montre, rien, quoi. Je fais un peu au feeling. Et la dernière fois, j'ai tourné 4 épisodes de mon aventure en survie. Oui, parce que je les ai tournés en avance. Et ah bah pourquoi je tombe, je sais pas. Et à chaque fois, 13 minutes. Ah, 13 minutes et quelques secondes à chaque fois, mais 13 minutes. Oh, j'ai dit franchement, je suis trop forte. Bon, alors, on va faire une maison de quelle couleur? What color? Je sais pas, on va voir. On va faire certainement encore en argile. Oh purée. Je suis plus rapide que l'éclair des fois. Alors, ça on s'en servira certainement pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Grès poli. Grès. Sand. On va arrêter la pluie parce que ça fait laguer. La porte comme ça, j'en veux pas. Alors, argile, voilà, chercher. Puis on va remettre le jour. Ça évitera que les PNJ viennent nous faire suer. Argile. On recommence. Voilà. Oui, parce que l'autre jour, je vous ai peut-être dit que j'avais des problèmes de souris. Mais au problème de souris se greffe un problème de clavier qui ne fait que ce qu'il a envie. Ce casse-pied. Bon, tiens, si on faisait une maison orange. Orange, orange. Orange un peu. Bon, vous voulez rire? Bah, des fois, les couches de violette sont de cette couleur-là. Voilà, donc ça me fait vachement plaisir. On l'appellera la maison violette, même si elle est orange. Bon, ben voilà. Et puis on va mettre un petit peu de ça, pardon. Non, je dis pas parce qu'après vous allez dire que je suis une scato. Mais ma chienne, quand elle mangeait des croquettes oranges, elle faisait des crottes de cette couleur-là. Voilà. Allez, stop, stop, stop. Maintenant, je dis plus rien. Bon, encore une là. Voilà. J'aime bien faire un peu n'importe quoi avec le sol. Je trouve que c'est classe. Et en même temps, tu ferais pas ça chez toi, non, mais dans Minecraft, on peut. Et ça fait pas si ridicule, en fait, hein. Non, c'est pas si ridicule que ça. Bon. Toc. Voilà. J'aurais pu faire le tour, je sais. Et voilà. Non, mais je suis pas joyeuse. Je voulais juste monter la marche. Voilà, bon ben ça, au niveau des couleurs, là on a terminé, je pense. On en a mis assez, on va remettre une torche. Voilà, même s'il fait jour. Ces arbres là-bas, j'ai cru que c'était autre chose. Bon, alors après. On va faire toujours pareil pour faire un petit rappel. Même si bon, j'aime moyen, bon, enfin, c'est pas grave. Avec les barrières, je suis pas très douée en marche arrière. Pardon, excusez-moi. Un peu la crève. Oh,
Hop là, voilà. Hop. Nickel. Bon, ben là, on va être obligé d'en remettre aussi. Faire quand même un garde-corps pour pas tomber. Hop là. Et même au lieu de faire... Au lieu de faire ça, t'as qu'à péter tout, t'as raison. Ce qu'on peut faire, c'est ici, doubler complètement. Aller rechercher les trappes. Que j'étais-je ? Qui est là, excusez-moi. La vache. Un petit peu nul, hein, il y a des fois. Et je l'ai mis où ma trappe? Non. C'est pas grave. Et voilà, comme ça. Personne ne peut emprunter mes escaliers et moi je peux marcher sur le dessus. Ça évite de perdre de la surface. Et là ici pour décorer, par exemple, on peut mettre... Allez, on y va. Alors... vase. Ça s'appelle vase ou pot? Il me semble que ça s'appelle pot. Pot. Il y a des bibliothèques, mais ça c'est Bibliocraft, mais il n'y a pas de mode sur le serveur. Je le répète parce que vous êtes nombreux à me dire « Pourquoi t'as pas mis le serveur Intel ?» Parce que je peux pas forcément tout mettre et que... Là du coup j'ai pas besoin de barrière. Tadada ! J'ai décidé de faire un Minecraft sans mode. Pour que tous ceux qui veulent faire de la décoration sur Minecraft puissent le faire. En s'inspirant de Moa. Non, n'importe quoi. Bon, alors là, on va mettre des tapis. Tapis de quelle couleur? Ben, orange. Eh ben, violette d'or et tous en même temps. Bon, excusez-moi pour ce petit intermède. À quoi je pensais? Ben non, je prends tout et du sable. Hop là. Bon, alors après, j'ai bien envie de faire un truc. En sable. Là et là. Et de mettre un cactus dessus. Est-ce que ça marche? Yes. Voilà. Nickel, c'est exactement ce que je voulais faire. Par contre, ça fait trop raide. J'aime pas trop. Il y a trop de régularité. Voilà. Et voilà. Impeccable. Ensuite, pour décorer ici, nous allons mettre... Je vais essayer, hein, je fais tout à la one again devant vos yeux ébahis. Et ça y est, cette chanson qui revient. J'ai demandé à la chaîne de le supprimer. C'est pas possible. Donc oui, comme vous m'avez demandé la dernière fois, c'est quoi cette chanson que tu chantes? C'est bien La vie de Rosie, le dessin animé qui passe sur France 5. Et la chanson est très entêtante. Et... J'adore le prénom Rosie parce que c'était le nom de... Oh, excusez-moi si vous connaissez des gens qui s'appellent Rosie parce que j'ai déjà fait la gaffe une fois. Sans le faire exprès, bien évidemment. On avait un petit chien qui s'appelait Rosie et elle est morte il y a 3 ans.
Et on pense souvent à elle parce que c'était un chien adorable. Et elle est morte et on a découvert le dessin animé La vie de Rosie le jour même. Elle est morte un mercredi et le mercredi, sur France 5, il y avait La vie de Rosie, le dessin animé. Alors c'est vrai que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup regarder, même si ça me rappelle la mort de mon petit chien, mais c'était mignon d'avoir cette chanson-là comme un hommage pour mon chien. Mon chien d'amour. Elle me manque, cette chienne, c'est terrible. Bon, bref. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Ah, mince, crotte de bique. Oui, je suis over sentimentale. Oui. Ce coup-ci, moi, je suis une fille. Est-ce qu'on peut mettre des torches là-dessus? Non, je crois pas. Non. Bon, ben voilà. Hop, on n'a plus qu'à décorer le bas. On va faire toujours comme d'habitude, mettre des lits. Mais je ferais bien des lits suspendus. Alors, pour faire des lits suspendus, c'est pas terriblement compliqué. Il suffit de pas prendre du sable déjà, parce que sinon c'est un petit peu craignos. Par contre, je ne sais pas si ça va être assez haut. Je crains que non. Vol. Voilà, donc il y a un bug de lumière, mais après, ça n'a pas d'importance. Donc tu fais ça, tu mets tes lits en hauteur, tu vas chercher tes escaliers, et de l'autre côté, du coup, hop, tu mets des escaliers aussi. Bien, 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 bien. Et comme ça, dès qu'il fait nuit, hop, ben. Et comme ça, on va se rendre compte où on se lève. Eh ben voilà, on va se réveiller sur la terrasse à chaque fois. Mais dans un bug de lumière également. Mais t'es d'accord avec moi qu'on ne dormira pas souvent dans cette maison. Et voilà. Et qu'on en sort comme ça le matin, je me lève en volant. Voilà. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour faire les lits dans la maison, parce qu'il faut toujours des lits dans une maison pour que les PNJ s'y sentent bien. En dessous, moi j'ai bien envie de faire la cuisine équipée. Tu mets ton four, toujours pareil, on met ça. Puis on peut mettre l'établi dessous, qu'il est mon établi. Qui est donc en fait un atelier. Je le vois pas, hein, il y est pas. Non. Oh, l'épisode, il doit faire 2 ans, là. Non? Hop, et puis là, on met des petites tables. Bon, en or, allez, hop. On se la pète, on se la pète. Quoi, vous me prendriez pas en décoratrice d'intérieur? Oh! Je me demande bien pourquoi. On va mettre des bibliothèques toujours, hein, parce que bon, décoration, c'est vite torché quand même, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais regardez, par contre, on n'est pas obligé de les installer comme d'habitude. Faire ça. Hop. Ça, on arrive, on a directement la banquette. Comment j'ai mis? Ouais. Ça va pas, ça. Ah bah, impeccable. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est même ça que je voulais faire. Voilà. Voilà. Et on peut même en mettre une autre ici pour faire. Ouais, non, c'est pas top. Et voilà. Donc ici on peut lire, ici on peut manger, ici on peut dormir. Là où on peut aller jardiner et se promener. Et voilà.
Bon. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc on va se laisser là dans cette habitation un peu space, effectivement, parce que c'est vrai que du coup on se réveille dans le plafond. Mais bon, c'est pas grave. Pour une fois, vous voyez au fond le carré noir veut apparaître quand même, mais il n'apparaît pas derrière moi vraiment. Je ne suis pas bouffée par le carré noir. Oh, n'importe quoi. Bon, allez, je vous laisse, et puis on se dit à la prochaine pour la suite. Allez, à plus tout le monde!